Coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la new box du mois de juillet. Je me suis abonnée très récemment et c'est la première que je reçois et donc on va découvrir son contenu tout de suite. Première chose, ça n'est pas une boîte au sens stricto sensu du terme, puisque c'est un bidule en carton qui coulisse. Je ne sais pas si ça fait moins d'emballage, mais du coup, moi, je trouve ça moins sympa parce que je peux pas réutiliser les boîtes. Mais c'est un détail, on s'en tape. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit papier qui me dit que je vais tester la boule machin là. Une jolie petite carte qui nous annonce le thème du mois qui serait coquillages et crustacés, l'été quoi. Cette nouvelle édition de la box vous invite à composer votre vanity de vacances avec une sélection de cosmétiques indispensables et à protéger votre peau du soleil grâce aux nombreux conseils beauté du magazine, qui se trouve juste là et qui est un magazine, ma foi, assez fourni puisqu'il contient 62 pages. Oh, il y a des recettes aussi, c'est chouette ça. Et des jolies photos. C'est très très joli. Ok, je regarderai ça. On a un petit pochon en papier dans lequel on retrouve les produits de la box. On y va. Première chose que je vois dans ma box, c'est une éponge Conjac de la marque L'Amazona, 100% naturelle et vegan. Là, elle est sèche, il faut la réhydrater. Pour pouvoir s'en servir, hein, sinon ça ressemble plus à une pierre ponce qu'autre chose. Les éponges Conjac, on est censé les jeter au bout de quelques mois. Et du coup, j'ai arrêté d'en acheter. J'utilise plutôt un petit linge qui, du coup, lui, va en machine et que je n'ai pas besoin de jeter tous les 3 mois, qui va me durer quelques années minimum avant qu'il soit foutu. Mais c'est cool! Si vous connaissez pas les éponges Conjac, c'est très très agréable d'utilisation, c'est tout doux. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une huile calmante de la marque Propolia, au millepertuis à la propolis. C'est un produit bio bien sûr. Ça contient un macérat huileux de millepertuis, de l'extrait de propolis purifié, de l'huile essentielle de lavandin et de l'huile de tournesol pour les piqûres d'insectes et les coups de feu. L'huile calmante de Propolia met au service de votre épiderme son triptyque coupe-feu, la propolis réparatrice, le lavandin apaisant et le millepertuis riche en hypéricine à l'action ciblant les rougeurs. Visiblement, on peut s'en servir aussi bien sur une petite brûlure, une rougeur et les piqûres d'insectes. Et à la maison, nous sommes quatre, dont deux desquels les insectes sont extrêmement friands, moi et ma petite. Et donc, je pense qu'on va pouvoir tester ça assez rapidement et en constater ou pas les bénéfices. Ça sent quoi? En tout cas, elle pénètre super vite dans la peau et elle sent très fort la lavande. Ça sent très très bon. Bon, ben, je suis très pressée de tester ça et en plus, c'est un format 20 ml. À mon avis, c'est le format vente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un gel douche de la marque Kiwi Art of Nature. Quel accent anglais à couper le souffle. Un gel douche à la bergamote et verveine exotique. C'est un produit vegan qui est qualifié éco-certe. Il me tarde de le tarder. De le tarder. Oh, il me tarde de l'essayer. Il a une petite odeur fraîche. Très agréable, très chouette. Alors, ça tombe très très bien. De la marque Dr. Bronner, on a un petit baume à lèvres orange gingembre, baume à lèvres bio bien sûr, non testé sur les animaux. Dans ce baume, on a de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba, de la cire d'abeille, donc il n'est pas vegan, de l'huile de chanvre, de l'huile essentielle d'écorce d'orange, de l'huile essentielle de gingembre, de la vitamine E et autres petites choses. Ça fait partie des produits où je trouve qu'on n'en a jamais assez. Il me reste deux produits. Une petite bouteille en verre de la marque O. Ça nous dit quoi? Vitamine E, C. Visiblement, elle est assez antioxydante pour tous les types de peau, même sensible et même grasse. Moi, j'aime les huiles de toute manière. Elle est très neutre et elle est très agréable. L'huile naturelle de marula de Oils of Heaven est à la fois légère et exceptionnellement riche en vitamines E et C, source d'antioxydants. Elle est pressée à froid pour conserver toutes ses propriétés,
pour la peau. Cette huile végétale précieuse bio venue d'Afrique est tout particulièrement appréciée pour les soins anti-âge. Je fête mes 39 ans cette année en décembre, autant dire que je suis la candidate idéale. Elle s'utilise aussi pour nourrir et protéger les cheveux secs ou cassants. Ok, nous avons là 15 ml de produit, qui est la moitié du format vente. Et donc, pour une huile, hein, c'est une quantité de produit bien suffisante. Et enfin, très chouette, on a ici de la marque Madara, une crème régénérante pour la nuit. Là encore, c'est un petit format qui m'accompagnera dans mes déplacements. Cette marque est certifiée EcoCert. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce produit? Là, nous avons 25 ml, ce qui est exactement la moitié du format vente. La crème de nuit régénérante de Madara aide à prévenir le vieillissement cutané tout en stimulant la régénération cellulaire durant la nuit. Véritable cocktail d'actifs, on retrouve l'orge, reconnue pour améliorer l'élasticité de la peau, la tomate, antioxydante, le houblon astringent, mais aussi l'huile d'avocat, de tournesol et d'argousier riche en vitamine E. Très bien, très bien, c'est une chouette découverte ça aussi. Je n'ai pas, je suis extrêmement déçue, hein, je n'ai pas la petite boule à déguster. Ils m'ont vendu du rêve avec ce petit flyer, j'étais prête à manger quelque chose et je n'ai rien à me mettre sous la dent. D'autant que ça avait l'air délicieux. J'aurais bien aimé la goûter, ma foi. Qu'est-ce que je pense de cette box? Ma foi, elle contient plein de produits sains, avec des compositions, ma foi, plutôt bonnes. Je ne suis pas assez calée pour savoir si elles sont parfaites, mais elles m'ont l'air très très bonne. Je remarque aussi que nous avons pas mal de produits qui sont au format vente. Je pense par exemple à l'huile calmante de la marque Propolia qui elle semble être au format vente. L'éponge konjac de l'Amazonas, hein, je ne pense pas qu'ils en aient retiré un morceau pour nous la donner. Et puis on a ensuite alors, deux produits qui sont exactement à la moitié du format vente. Et un petit gel douche de 50 ml qui n'est pas non plus un format foutage de gueule hein, comme j'aime les appeler dans mes revues box. Je trouve que le rapport qualité-prix de cette box est de loin le meilleur de toutes les box que j'ai eu l'occasion de tester pour l'instant. La box est vendue, il me semble, 23 € avec 3 € de frais de port. On peut se faire parrainer pour avoir 3 € de réduction lors de son achat, ce qui voudrait dire que les frais de port sont offerts finalement. Pour le parrainage, si vous passez commande sur le site de Nuobox, que ce soit pour la box ou pour l'e-shop, hein, sur lequel vous pouvez retrouver les produits des box, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 3 € utilisable immédiatement. Et si vous utilisez ce bon, moi je vais recevoir 6 € comme vous, vous allez en avoir 3. Donc c'est extrêmement intéressant pour moi. Hein. Donc si vous doutiez et que vous aviez envie de sauter le pas avec mon code, hein, ça me fera bien plaisir. Le plus simple c'est que je vous mette en barre d'infos si vous la déroulez le lien de parrainage que je vais pouvoir vous copier à cet endroit là. Ma foi, je suis extrêmement contente de cette box. Il me tarde de parcourir plus en détail ce chouette petit magazine et puis évidemment d'utiliser tous ces produits dont un certain nombre vont rejoindre ma trousse pour partir en déplacement. Nous sommes aujourd'hui vendredi, je pars dimanche pour une semaine. Un certain nombre de ces produits vont déjà partir avec moi et ce sera l'occasion pour moi de les tester et de pouvoir vous en donner un avis si toutefois vous le voulez. Je compte bien ne pas me désabonner pour l'instant de cette box, c'est un petit plaisir que j'ai envie de me faire. Si une revue de cette box vous intéresse à chaque fois que je la reçois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse évidemment bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.